Salut à tous, c'est Virus, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Aujourd'hui on va se retrouver pour un top 5 des paires que je conseille pour l'automne à moins de 100€. Donc je tiens à dire d'abord que c'est des choix personnels, vous n'êtes pas forcément obligé d'aimer les paires, mais ça peut-être aider certaines personnes qui cherchent des paires à prendre. Vous êtes quelques personnes à me demander, à hésiter entre certaines paires, où je me suis dit de faire un petit top 5, ça pouvait être sympa. Donc à savoir que c'est des paires qui sont entre la fin de saison été et qui commencent début automne. Qui fait encore un petit peu beau, il pleut un petit peu, mais il y a beaucoup de paires qui sont généralement en tissu ou en mèche. Donc moi je vous conseille déjà d'une de les imperméabiliser avec certains produits si vous voulez prendre des paires en tissu et pour vous que vous allez prendre l'eau, etc., que ça va salir, d'acheter un imperméabilisant et de prendre un kit Crêpe Protect Cure pour pouvoir nettoyer ça dès qu'elles sont sales. On va tout de suite commencer avec une paire de Adidas, c'est sur les tennis U en collaboration pardon, avec Pharrell Williams. Donc pour moi c'est une paire qui, je ne les ai jamais essayées, mais visuellement elles sont, personnellement je préfère les NMD Mandrace, mais elles sont assez sympas. Je pense que c'est une paire qu'on va voir de plus en plus, déjà qu'on commence à voir de plus en plus, et qui peut être pas mal, qui peut se matcher avec beaucoup de choses, avec un jean, un chino, un jogging peut-être un peu moins, mais avec des pantalons, franchement ça match avec tout. Il y a plusieurs coloris disponibles, donc ça peut être sympa. Deuxième paire, on va passer à la New Balance, la 247. Donc c'est une paire qui doit être à 85€ si je dis pas de bêtises. Donc après pareil, elle ressemble un petit peu à la Adidas sur la tennis, mais je trouve que ça change un petit peu. Et là pareil, ça va se matcher avec tout. Il y a plus de coloris par contre que la tennis chez Adidas, et ça match avec tout en termes de confort. J'ai pu les essayer et c'est franchement c'est très agréable au pied. On passe tout de suite chez Nike avec alors pour moi une paire pour l'automne, ça va être alors sur la Cortez directement en nylon, pas celle en laser. Celle en laser sera plus pour cet hiver, mais celle en nylon, franchement c'est une paire, c'est indémodable, c'est intemporel, c'est une paire qu'on aura tout le temps je pense, et encore pendant un bon bout de temps. C'est une paire que j'adore, je dois en avoir 3 paires, j'en ai 2 en nylon et 2 en laser et je m'en plains pas. Franchement c'est une paire que j'adore, que je vous conseille, après à savoir que c'est taillé un petit peu petit, généralement les gens prennent une demi-pointure au-dessus, ça peut arriver. Après je vous conseille vraiment d'essayer en magasin avant de commander sur internet, après à savoir que si ça va pas vous, sur internet vous renvoyez, il n'y a aucun souci. Puis à savoir que c'est une paire où il y a tous les coloris possibles je crois, enfin il y a une bonne palette de colorways. Donc ça peut être sympa, pareil ça match avec tout, certains c'est la forme que ça leur plaît pas, moi je trouve que c'est une paire vraiment qui match avec tout, une fois que tu les as au pied, généralement ça passe crème. On passe tout de suite avec Vans, alors Vans on va parler de la old school, la rétro sport, donc c'est la façon, je vous mettrai des petites photos là, c'est celle avec la petite languette un peu blanche que je trouve super sympa, il y a énormément de coloris d'automne et d'hiver, on va retrouver beaucoup de jaune, de marron, enfin jaune outarde, marron, du kaki, on va avoir après sur les old school classiques, sur les noirs et blancs, mais celle avec en coloris marron, kaki, etc., j'adore. Je vous conseille énormément, elles sont aux alentours de 80 à 90€, donc ça reste très abordable. On finit avec des ASICS, alors ça sera pour moi la Kayano Trainer si je dis pas de bêtises. Donc c'est une paire qui coûte je crois 85 ou 90€. En termes de confort, celles-ci je les ai essayées aussi, elles sont très très bien. J'ai une préférence pour les olives, je les trouve super jolies. Pour les avoir vues en vrai, j'ai failli craquer mais j'ai pas craqué. Mais ça passe avec tout, c'est une paire qui est assez sympathique en termes de confort, ça reste sur du ASICS donc il n'y a rien à redire. Et qui passe vraiment avec tout, pantalon, chino, même avec des joggings ça passe. Et après c'est une paire, pareil, je pense que vous allez retrouver plusieurs coloris disponibles. Après pour le moment je sais qu'il y a les toutes noires, les toutes blanches, les olives, après je pense qu'il y a d'autres coloris qui vont arriver. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ce genre de contenu ça vous plaît, je sais que sur mes vidéos bon plan, il y en a beaucoup de personnes à qui ça avait plu, il y en a certaines qui avaient trouvé leur bonheur et qu'ils ont pu acheter, du coup bah ça me fait plaisir de me dire que vous avez pu trouver des choses. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, faites-vous directement vous votre top 5 en commentaire pour que les gens voient directement. Je vous mettrai des liens sur où acheter sur les différentes paires que je vous ai proposées. Et puis on se dit à très bientôt.